Et hop les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série Ma Femme Américaine. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on s'était quitté la dernière fois sur ce fameux Camtar en fait qui ne dira pas. Non, c'était juste parce qu'on s'était fait 30 000 de ce genre. C'est vrai que c'était pas beaucoup quand même. Ouais. On s'était fait 30 000 de ce genre. Bon bref, en tout cas aujourd'hui on va pouvoir réaliser un des premiers défis de la semaine dernière que j'ai énuméré bien sûr. Et je pensais acheter un transborder, voilà, donc comme ça ce défi-là serait validé. Mais on l'achètera plutôt en fin d'épisode, de toute façon il va falloir que je continue à nourrir les animaux. Alors, ce qui va se passer aussi pour l'accélérie de la prochaine vidéo. Vas-y, mais continue à rouler comme de la merde. Le son, excusez-moi. Voilà. C'est magnifique ronronnement. Donc voilà, donc ce qu'il va falloir faire aussi c'est du coup acheter le transborder. Donc le transborder il va coûter 98 000 euros je crois. Oh, il y a ça aussi rapporté. Hop là, on va mettre ça là. Et non, ce n'est pas un jeu de mots. Non. Alors, on va regarder un peu comment les animaux sont entre guillemets. Non, ça c'est les prix. Et mais t'es pas réveillé ce matin. Il m'a manqué bah, pas grand chose en fait. Ok, on est vraiment vraiment bien. Et bien voilà, donc du coup voilà, donc j'aurais ce transborder là à acheter. Where is you transborder, enfin remorque à grain. Ah non, 93 000, bah voilà, 93 000. Un beau petit transborder. Donc là je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. De toute façon je vais prévoir les semis pour le prochain épisode. Là aujourd'hui ça va être vraiment... Voilà, on va préparer juste les semis. On va aller avec le bon petit fen. Ouais, c'est vrai que j'ai hâte d'acheter un tracteur à chenille. Bon, on va peut-être pas acheter un fen finalement. Parce que si j'achète un fen, ça ferait deux fens dans la ferme. Ça ferait gros riche. Déjà qu'on a un fen de... un Xerion. Bah ça passe pas trop quoi. Alors on va se mettre là. Oui. Préparé pour les 100 000 litres de soja. Enfin j'espère qu'on va gagner une masse de thunes. Parce que si avec les 100 000 litres on gagne que dalle mon gars, je suis un peu dans la merde. Non, en vrai je pense qu'à chaque épisode j'essaierai de faire deux tournées de champ avant de les tourner. Ouais. Parce que sinon bon on n'avancera pas en fait. Mais je me le montrerai pas en off. En vidéo parce que sinon... J'aime bien ce tracteur. N'empêche, il est assez badass. Genre juste avec l'avant comme ça. J'ai l'impression qu'il va te foncer dedans, c'est juste parce qu'il est mort. Mais en vrai, franchement, nouvelle génération de fans, ils sont magnifiques. Et Challenger d'ailleurs, ça donne quoi? Enfin, vous allez me dire, c'est les mains, mais... Ah non, c'est un peu les... Ouais, c'est les mêmes avant. Voilà, voilà. Ah, il y aura ça aussi à acheter, ça va être génial. Ouais, bon, on va s'acheter quand même un petit transborder bien tranquille. Alors, on va s'acheter lequel? Heureusement que j'avais dit celui-là. Aïe, 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 on n'a plus d'argent. Et bien sûr, pour ça, on va aller avec notre petit Xerion. En vrai j'aime bien que Xerion, mais dommage qu'on puisse pas inverser le poste. Parce que en fait ça serait stylé que tu puisses inverser le poste. Déjà tu roules en crabe. Tu roules avec les deux les roues comme ça qui sont dans le temps. Voilà. Déjà ça c'est stylé. Oh, il est énorme. Oh mais il est énorme. What the fuck, il est énorme. Hein? Il est énorme pour 70 000 litres, mais c'est très convenable d'avoir en fait un Xerion derrière tout ça. Pour tracter tout ça. Et t'imagines le machin? Regarde le bordel, la taille qui est faite. Est-ce que, genre les chenilles, ça donne quoi quand tu les veux? Oh, c'est mastueux. Oh, c'est mastueux. Alors en vrai, il est... Il est stylé, franchement. Par contre, je tombe pas plus que ça. Non, chaud.
Franchement, il est stylé, moi j'aime bien le crossover. Franchement, bah ouais, je suis pas déçu. Maintenant, faut lui trouver une place à la fin. Putain, mais t'imagines? Tu vas devoir. Oh là 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 là! Je sais pas si on peut vite directement dans le CEO. Ouais, j'essaie. Attention, on va essayer, les amis. On va essayer. Alors, on va là. Du coup, on va derrière. On va demander des coups de tour. Je crois que c'est pas de saut. En fait, j'ai tellement. Ah, c'est bon. On va pas non plus. J'adore le bruit du. Oh, mais. Oh, mais ça, c'est bien ça. Ah non, mais c'est nickel en fait. Ah non, mais là, moi je suis comblé là. Genre, mais non, jamais j'aurais cru que. Non! Non! Bon. C'est trop bien. Je vous jure, les gars, c'est trop bien. Un Xerion comme ça dans une ferme. Non, je parlais du transbordeur, bien sûr. Bon, on va ramener la petite mouse-batte qui était avec la coupe à maïs, ouais, c'est ça. Alors, on va le ramener en mode réaliste. Ah, je crois que le chemin était après, en fait. Je veux le réalisme. Il est où le chemin? Ah, là. Hop là. Là. On la ramène. Normalement, elle doit pas passer par là. Moissonneuse. Waouh. Je bégaye un peu. Moissonneuse, je passerai pas là. Non. Très clairement, je sais pas combien de mois se battre. Et heureusement, mais je la conduis pas. Parce que là. Ah, la galère. Alors, hop, ma barre de. Oui, ma barre de coupe. Miaou, miaou. J'adore, je passe à côté des poteaux et des machins. En fait, où est la grosse? Cette question va vous tuer. Elle est où la grosse? Barre de coupe. Mais tu es où? Attends, j'ai. Non, c'était Dolly. Alors, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Bah. Where is? Non, mais là, il y a quand même un petit problème. Je vais pas mettre tout l'épisode pour chercher une barre de coupe quand même. Non. Je suis pas venu ici pour. Elle n'est pas dans la ferme en plus. Non, mais elle est où? En même temps, c'est le bordel ici. Je comprends pourquoi je perds des affaires, mais là quand même. Je suis en train de faire des tours dans la ferme depuis tout à l'heure. Bon, bah non. Elle serait pas. Non, ça c'est le. Et là-bas, je crois que c'est ça. Et là. Non. Si! Putain, mais elle est là-bas! Elle est là-bas! Là-bas, là, juste au-dessus de la trémie, là, vous voyez pas? Là-bas! Putain, je te jure que cette barre de coupe va me tuer. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Ouais, en fait, il fallait peut-être mieux que je l'arrange. On voit le RP en fait. Finalement, voilà. Donc, pour ceux qui veulent du RP, venez voir ma série. Non, pas du tout. Hein. Non, je rigole. Ah là là, j'ai hâte que cette série se termine. Non, pas du tout. Non, mais en vrai, non, si elle se termine. Mais en vrai, je pense que. Oui, bah si, elle va se terminer un jour, bien sûr. Quand on aura tout. Et je pense que là, ça commence à arriver. Et le truc, c'est qu'une fois que ça sera fini, cette série-là, il y aura une autre série sur Farming. Vous allez dire, c'est peut-être chiant. Mais les vidéos seront 2-3 minutes, bah, vraiment 5 minutes grand max.
Mais ça va être juste. Je vais pas vous dire le concept. Parce que sinon je peux me. Bah moi pas me le faire piquer parce que voilà. Mais gardez la surprise quoi. Me faire piquer les trucs. Non mais attends. Parce que le concept peut être vraiment sympa, c'est pas grand chose, hein. C'est juste. Ouais. Le concept c'est juste filmer. Bah ça va rester sur farming, donc sur farming voilà, vous pouvez deviner déjà un peu ce que c'est. Sur farming on fait des activités, bah bref, on moissonne, on sème, voilà, et il faudrait que j'arrive à faire des trucs. Voilà, parce que je vais pas refaire une série exactement la même sur la même map. Ça pourrait être, ça paraît con. À moins qu'on aille sur ma partie perso, et bon là oui bon. Mais c'est vrai que des fois ma partie perso peut m'aider parce que genre moi j'achète des véhicules. Bah, comme ma partie perso, je suis un peu blindé dessous. Bah, je peux regarder un peu les véhicules qui m'intéressent, justement. Alors, est-ce qu'on met l'ouvrier? On a 43 000. 43 000, est-ce qu'on met un ouvrier? Tiens, on va regarder l'état de nos véhicules. Alors, le Ken GF, c'est quoi ça? Ah, ça. Ouais, pour l'instant, là. Ah, on a le Fendt 2050 qui vaut plus que 86 000 euros sur. C'est 512 000 ou quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils vous sont des jeux? Oh, c'est le Kenter. Dans ma partie perso, j'ai que du rouge partout. En même temps, j'ai gardé encore la VTI. Bon. Pas la mettre là. Ça donne quoi si je conduis à l'horizontale? PTDR. Faut enlever ça en fait. Jamais, jamais de la vie. Voilà, c'est mieux. Jamais de la vie, je le remets. Ah non, mais là, ça va partir en couille. Eh, il est là, lui. Je vais juste aller voir le prix de la. Oh, ça va. Il y a moyen de me faire 1 000 euros. Non, en vrai, c'est quand qu'on avait acheté ce CAS? Avant ou après les moutons? Je crois que c'était avant les moutons. Ouais, avant les moutons, on avait acheté ce CAS. Ah, il fait toujours autant plaisir. Ce petit toit panoramique. En vrai, le toit panoramique, genre, c'est vraiment un atout. Mais moi, CAS, voilà, je suis pas ton plus trop fan. Mais j'aurais bien acheté un T6 au final. Ouais. Un petit T6. Stayer, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait pas agricole, ça fait plus déforestation, enfin genre bois quoi. Il est plus pour le bois le Stayer, sachant que là tu peux pas faire de bois. Mais il est vachement surélevé le Kemptar en fait. Mais moi je vois plein de trucs comme ça, mais juste après. Voilà. Mais en vrai, si vous commencez une série, enfin si vous jouez sur ce Farming 20, n'achetez pas le man. Très mauvaise idée. Le man est, comme qui dirait, une espèce particulière. Mais j'ai pas vu de l'herbe. Alors, elle est où mon herbe? Ouais, je fais le tour là. Ah, voilà. Non, en vrai, je pense qu'un. Attention, il y aurait des tracteurs à acheter, ça c'est sûr. Ah ouais, mais il y aurait ça aussi à acheter. Ma petite classe Jaguar 960 TeraTrak. Ouais, j'ai un peu bugué, mais. Non, mais en vrai, ouais, c'est vrai qu'elle est belle celle-là, parce que voilà. Ça change de la vieille crone qu'on a tout le temps, hein, la Jaguar. Et puis, en vrai, c'est les équipements classe, ils sont toujours trop beaux. Ouais, donc du coup, c'était un New Land, je voulais m'acheter, je sais pas pourquoi, je le trouve joli en fait. Bah là, vous le voyez en mode Blue Power en fait. Mais genre, le T675, mais c'est trop beau comme tracteur. Genre, moi, je veux celui-là, pas un autre. Non, mais il est trop bien. Ouais, c'est vrai, bon, après, si on aurait pu avoir un T7, quelque chose comme ça dans ce jeu-là, ça aurait été très intéressant. Même un T9. Oui, je crois que ça existe, le T9, c'est un peu comme le.
Un 9RX dessus, je veux dire. C'est pareil. Ou le casque. Alors, c'est un casque comment? Le casque Quadrac, non? Bah, c'est un peu ça, le. C'est même ça, d'ailleurs. Mais bon, voilà quoi. Donc, du coup, ça nous ferait un véhicule en plus de chez New Land. Et ça fait toujours plaisir. En plus, regarde, bon, il est à 127 000. Le prix est affiché à 127 000. Et si c'est à 127 000, il a autant de chevaux. Alors là, pourquoi? Le Steyr, c'est moins cher. Ouais, pour 210 litres, quoi. Pour 40 litres de carburant. Trouve ça bizarre. Bah, ça m'a l'air d'être ça en plus, c'est pour 40 litres de ce carburant. T'imagines un peu? Waouh! C'est chaud d'enlever autant de 15 000 pour juste. Ouais. Jamais de la live, j'achèterai celui-là, les gars. Mais en plus, son prix il a augmenté. Alors, non, en vrai, ça avant c'était 67 000, je m'en souviendrai. Voilà. En vrai, il y aurait une possibilité d'acheter un nouvel homme d'énorme, mais ça sert strictement à rien. Ah ouais, faudrait qu'on achète aussi un nouveau déchaumeur, ça serait vers celui-là, mais c'est 500 chevaux qu'il faut. Et nous, au niveau tracteur, on a 175. Je pense qu'on les a, hein. On a 517 et 530. Voilà. Et les tracteurs à chenille, ils font combien? 380? Non. 480? Je sais pas. Alors, les tracteurs à chenille, ils font combien de chevaux? Ils font. Oh! 380. Oh, déçu. Ouais, t'as vu, regarde, il est moins cher le 8R. Et il a quasiment 100 chevaux de plus. Ouais. Non, en vrai, moi j'achèterais Challenger déjà, parce que 412 000 euros, il faut les trouver, hein. Et il faut les sortir de sa poche, hein. Et bon, bah voilà, bah, on va s'arrêter là. Ça fait un petit épisode bien tranquille. On a pu réaliser le premier défi. Et puis, c'était Minijustal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série. Allez, ciao tout le monde!